Vendredi, nous sommes le 5 juin 2020. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Bienvenue dans votre émission qui vous donne des informations sur l'actualité portant sur la maladie à coronavirus. Ce soir, nous recevons pour vous Dr Lidao Alain Bawele, bien sûr, médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Vous êtes sur plusieurs fronts à la fois. Ah oui. Comment est-ce que ça se passe dans tout son ensemble? On essaie de gérer. Oui. Oui. Alors, le thème qui nous réunit ce soir, c'est l'évolution de la pandémie et prise en charge des malades au Togo. Si nous nous attendons qu'à l'évolution de la pandémie au Togo à l'heure actuelle, que peut-on noter concrètement? Alors, à l'heure actuelle, déjà... Concernant la situation épidémiologique, on peut dire que nous sommes à 465 cas confirmés aujourd'hui, avec 239 cas qui sont guéris et 213 cas qui sont actifs. Et nous sommes toujours à 13 décès. Oui. Oui. Alors, quand on essaie un peu d'analyser la courbe dans tout son ensemble, on se dit entre-temps que c'était ascendante. Arrivé à un moment, ça s'est stabilisé. Encore quelques jours, on a commencé par enregistrer des chiffres. À quoi cela est dû? On nous avait dit entre-temps que c'est parce qu'il y a l'arrivée des compatriotes qui vivent à l'extérieur du pays pour des raisons économiques et autres qui rentrent au pays. Mais on a comme l'impression que ce temps-là est passé, mais... Les chiffres ont commencé par augmenter à petit feu encore. Oui, si vous suivez bien un peu la situation, aujourd'hui, les cas sont disparates sur toute l'étendue du territoire. Du territoire. Oui. Et on a enregistré beaucoup plus de cas à l'intérieur du pays qu'à Lomé. Beaucoup plus de cas dans l'ensemble. Et l'un des points qui a favorisé cela, c'est un peu la rentrée de certains de nos compatriotes, oui. Hein, surtout à l'intérieur du pays, avec le déconfinement du Ghana, puisque la plupart de ces cas confirmés sont venus du Ghana. Et on sait qu'à un certain moment, le Ghana a levé les confinements et beaucoup de gens sont rentrés. Et même au Ghana, après la levée du confinement, il y a eu beaucoup de cas confirmés. Et ça suppose que même pendant le confinement dans ce pays au Ghana, les mesures barrières ou bien préventives n'ont pas été respectées. Et l'augmentation du nombre de cas ici aussi peut s'expliquer également par le non-respect de ces mesures dans toutes ces dimensions par l'ensemble des populations. Mmh. On peut expliquer ça pour l'instant par ces deux points. Mmh. Alors, on sait aujourd'hui que quand on essaie d'analyser cette courbe-là où les chiffres grimpent à petit feu, il y a plusieurs actions sur le terrain pour pouvoir circonscrire le mal au bon moment et au bon endroit. Et à l'intérieur du pays, est-ce que dans tout son ensemble, ça va? C'est-à-dire? C'est-à-dire au niveau, bien sûr, des différentes coordinations locales avec celles de la capitale qui pilote le tout. Est-ce que ça va dans tout son ensemble? Oui, de jour en jour, les choses s'améliorent. Dans chaque localité, il y a quand même une section qui coordonne les activités et qui est en relation avec le niveau central. Oui. Et chaque jour, on fait un peu plus pour améliorer la situation, non seulement de la prise en charge ou bien du personnel qui travaille, et également pour les patients. Donc, c'est un travail qui est continu. Mmh. Oui. Voilà. Il y a une expression, sinon un bout de phrase qui fait la une depuis un bout de temps, c'est apprendre à vivre avec la maladie. Il faut apprendre à vivre avec la maladie à coronavirus. Mais dans la foulée, d'aucuns disent pourquoi ne pas passer à la chimio-prophylaxie tout en autorisant les gens à se payer eux-mêmes les produits. Enfin... La chloroquine, qui est l'un des produits de traitement, et leur conseiller comment faut-il les prendre. Que dites-vous? Alors, je vais commencer par la chimioprophylaxie. La chimioprophylaxie, dans la population générale, je ne trouve pas que c'est une bonne idée. OK. Parce que dans la population, on va prendre la chimioprophylaxie jusqu'à quand?
sans compter que les médicaments ont leur effet secondaire. Mais la chimioprophylaxie, elle peut être indiquée au niveau du personnel soignant, au niveau du personnel qui prend en charge les patients. Parce que ça se fait dans certaines épidémies, notamment dans le choléra, par exemple, ça se fait. Mais ici, ça peut se faire, mais bon, ce n'est pas encore fait. Bon, enfin, on ne le fait pas encore chez nous. Mais dire qu'il faut faire une prophylaxie générale dans la population, on le fait jusqu'à quand, point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer la maladie ou bien l'infection ou bien la pandémie. L'important ici, c'est le respect des mesures préventives. Parce que jusque-là, la seule arme que nous avons contre ce virus, c'est la prévention. Et donc, c'est plus on respecte les mesures préventives, plus ce virus va disparaître dans notre communauté. C'est la seule arme efficace actuellement. Si on le veut ou pas, le Togo semble être ce pays dans la sous-région, qui se trouve entre deux ou mais trois États qui ont carrément déconfiné, qui ont enlevé les différentes mesures barrières, restrictions. Dans tout son ensemble, si nous prenons le Ghana à côté, les mesures restrictives ont été levées, le Burkina, même chose, le Bénin, même chose. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire qu'on est exposé au vu de tout ce qui se passe autour de nous? Oui, vous savez, dans la gestion d'une épidémie, chaque pays, c'est vrai qu'il y a une concertation entre les pays par rapport à certaines situations qui peuvent se faire. Mais la gestion, dans le cas actuel, la gestion, chaque pays a la latitude de gérer la pandémie comme elle veut, pourvu que ça protège sa population. Alors, vous savez que cette pandémie a fait naître une situation sans précédent. Et donc, chaque pays a le droit de trouver les voies et moyens pour sortir un peu de cet état. Parce que on est sans savoir que cette pandémie a plongé nos économies un peu en dessous de zéro, s'il faut le dire ainsi. Donc, il faut chercher des situations pour remonter un peu la pente. Et donc, chaque pays est en droit de donner ou bien de donner les directives ou bien de faire ce qu'il peut pour pouvoir sortir. Bon, maintenant, c'est vrai que le déconfinement dans les autres pays est un souci pour nous. Mais également, c'est un souci pour les... Nous, on n'est pas, en fait... Le Togo n'est pas en confinement, hein. Oui, le Togo n'est pas en confinement. Le couvre-feu, c'est pas un confinement. Nos frontières, pour le moment, demeurent toujours fermées. Quand oui, les frontières demeurent toujours fermées, mais on sait que il y a des frontières détournées. Nos frontières sont poreuses. Oui. Et c'est par ces frontières-là, ces voies illégales-là, que beaucoup, d'ailleurs, passent pour rentrer chez nous. Donc, le déconfinement des autres pays, c'est un souci. Mais encore, il faut que au niveau des frontières, il faut que vraiment le travail soit fait efficacement. Est-ce que vraiment, au niveau des frontières, est-ce que vraiment les frontières sont vraiment fermées, point d'interrogation. Moi, je ne suis pas au niveau des portes d'entrée pour voir comment ça se passe. Est-ce que c'est vraiment fermé, point d'interrogation. Et puis, il faut également... le vrai problème, en fait, c'est la prévention. C'est le respect des mesures. On peut, puisque nous allons apprendre à vivre avec, donc il faut que apprendre à vivre avec, c'est pas relâcher les mesures, mais c'est maintenir ces mesures et vivre comme on le faisait habituellement. C'est la transmission du virus entre les hommes qui entretient la viabilité ou bien la présence du virus. Si les mesures barrières sont respectées, le virus va disparaître de soi-même dans la communauté et on ne va plus entendre parler de cas de Covid au Togo ou bien dans n'importe quel pays. Donc c'est le respect des mesures préventives qui est vraiment important. Alors quand on essaie un peu d'analyser tout ce qui se passe à travers tous les pays pratiquement du monde entier, on est tenté de dire qu'on est parti de l'épidémie à l'endémie. Oui, alors... L'épidémie, la différence entre les deux, c'est que l'épidémie, en fait, une épidémie, elle survient dans une localité donnée, en un temps donné. Et passé ce temps, l'épidémie disparaît. Si on prend un peu l'épidémie de choléra, par exemple,
La survenue de l'épidémie de choléra, c'est habituellement pendant la saison pluvieuse. Et passé cette saison, on n'a plus de cas de choléra. Quand on prend l'épidémie de méningite, c'est pendant la saison sèche, et notamment en novembre, décembre, et puis après ça, ça passe. Mais ici, on était parti sur la base d'une épidémie, parce que ça a commencé quelque part en Chine. Et quand on prend les précédentes épidémies dues au même virus, c'est-à-dire au but de la famille des coronavirus, les épidémies étaient concentrées dans ce pays, en Chine. Et quand on parle de la Chine, ce n'est pas toute la Chine, c'est une partie de la une Chine. Une partie, une zone donnée. Et après, ça a disparu. Et puis après, on a eu, ça c'était en 2002-2003, et puis après, on a eu le même virus qui a muté, qui a donné une autre épidémie au Moyen-Orient et qui s'est concentré là-bas. Mais là, aujourd'hui, en dehors de la Chine, on a d'autres continents qui sont touchés. On est en une pandémie. Et une pandémie, tous les pays, tous les continents sont touchés. Et jusque-là, les cas continuent par arriver. Bon, on est dans une pandémie. L'endémie, c'est que si ça continue ainsi, c'est qu'on va avoir les cas de COVID-19 sur toute l'année. Je ne le souhaite pas. En 2021, on peut toujours avoir des cas. Si on est dans une endémie, c'est que la maladie va perdurer toute l'année. On va avoir quelques cas sporadiques par moment. On peut avoir quelques cas sporadiques. Donc, on est dans une endémie parce qu'on va vivre avec... Parce que de janvier à décembre, on peut toujours déceler des cas de COVID. Et là, on est dans une endémie. C'est un peu comme dans le paludisme, où à tout moment, on peut avoir des cas de paludisme. Donc, la COVID-19 risque d'être également de ce cas. Ou bien un peu comme le VIH-Sida aujourd'hui avec lequel on vit. Donc, ça risque d'être un truc comme ça. Parfait. Messieurs, si vous nous choisissez que maintenant vous regardez votre émission COVID-19, à vos questions qui passent, là, les différents points d'ombre concernant bien sûr cette maladie à coronavirus au Togo et à travers le monde entier, notre invité ce soir, Dr Lidao Alain Bawé, il est bien sûr médecin, infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Nous évoquons avec lui l'évolution de la pandémie et la prise en charge des malades. On va s'intéresser un peu à la prise en charge de ces malades à travers tout le Togo. Il n'y a pas que le CHR Lomé commune, il y a d'autres localités maintenant à l'intérieur du pays qui hébergent, enfin qui reçoit bien sûr ces différents malades qu'on a eu à détecter celles à travers les différentes zones du pays. Comment ça se passe dans tout son ensemble? Alors aujourd'hui au Togo, nous avons au total 44 d'ici sanitaires. Et sur les 44, seuls 2 d'ici ne sont pas atteints ou bien n'ont pas encore enregistré de cas. Donc on comprend que pratiquement tout le pays est atteint. Et donc nous sommes dans une épidémie. Dans une épidémie, comme on le dit, dans la définition d'une épidémie, ça, c'est une localité. Et puis ça survient dans une localité pendant un temps donné. Mais là, c'est vrai que nous sommes dans une pandémie. Et donc, lorsque on a un cas quelque part, on met tout en place pour prendre en charge le cas là-bas. Et donc aujourd'hui, au départ, on a commencé avec Lomé, avec le CHU Lomé commune, et progressivement, on a eu des cas à l'intérieur du pays et beaucoup de centres de prise en charge ont été créés comme ça pour prendre en charge ces cas où on a été, ces cas où qui ont été diagnostiqués dans ces localités-là. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile. Mais comme je dis, tous les jours, il y a un travail qui est fait pour améliorer la situation, la prise en charge et tout. C'est difficile au début, mais avec le temps, les choses commencent aussi par s'améliorer. Parfait. Donc, nous allons maintenant essayer de jeter un coup d'œil sur les chiffres qui ont été publiés, bien sûr, ce que vous avez eu à souligner au début de l'émission, à la date, bien sûr, du 4 juin 2020. À la date du 4 juin 2020, nous avons les chiffres comme suit. 213 cas actifs, 239 cas guéris, avec 13 décès, 465 cas confirmés au total, avec 22 812 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire
national. Ce qui intéresse dans ce tableau-là que nous avons à l'écran actuel, docteur, c'est surtout le point concernant les cas guéris, 239. C'est quand même encourageant. Hein? Oui, c'est quand même encourageant et c'est une bonne chose qu'on ait plus de guéris. Et avant, là, on était, on a peur. On s'est dit, mais si on chope cette maladie-là, est-ce qu'on peut revenir vivant? Il faut se cacher. Mais vous faites quand même du bon boulot. Oui, on essaie c'est de faire. C'est quoi la magie, finalement? Il n'y a pas de magie. Comme on l'a dit, cette maladie, c'est une maladie où le système immunitaire de la personne qui est atteinte joue un rôle très important. Oui. Et plus vous avez un système immunitaire qui est solide, plus les chances de guérison sont également grandes. Mm-hmm. Et puis, plus vous avez des facteurs de comorbidité, ce qu'on appelle comorbidité, c'est-à-dire des pathologies antérieures qui vont, sur laquelle va se greffer l'infection, ça va également propulser la personne vers, vers le décès. Le décès. Donc, il y a également ce facteur qui est là. C'est vrai que dans la plupart des cas que nous avons reçus ici, surtout les cas qui sont décédés, effectivement, quand on fouille, il y a quand même des facteurs de comorbidité. Et la plupart des cas qui sont guéris, surtout pour les premiers cas guéris, on n'a pas eu besoin à quoi que ce soit. Les patients sont rentrés, on les a suivis et puis ils ont guéri tout de même. Ils sont rentrés à la maison. Mmh. Avant que cette histoire de protocole n'arrive, les patients n'avaient pris aucun traitement. Donc, il y a le système immunitaire qui joue également un rôle très important dans cette infection. Mmh. Et d'ailleurs, pour la plupart des infections virales, le système immunitaire joue un rôle très important. Justement, avec le protocole, où en êtes-vous? Entre-temps, il y avait eu tellement de débats. Hein. On sait que le Togo a toujours gardé son chemin de protocole de traitement. Le produit hydroxychloroquine et puis l'azithromycine respecté au Togo pour la guérison des malades. C'est toujours ça, hein? Oui, le protocole n'a pas changé. Mmh. Oui, il est toujours resté et administré aux patients. Parfait. Nous allons commencer par enregistrer des questions sur notre plateforme, des questions que nous allons essayer de reposer à notre invité du jour, docteur Bawe, qui est bien sûr médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. La toute première question nous dit ce qui suit. Bonsoir, le plateau, s'il vous plaît. Ma question ne concerne pas la pandémie, mais si vous me permettez, depuis il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux que les classes des amis reprendront les cours le 8 juin. Alors qu'il n'y a jamais été dit dans des journaux, dans les journaux. J'aimerais savoir si elle est vraie, enfin, cette information. Yassim Julien depuis Agnès. Voilà un peu hein, la question. Mais il faut dire que l'information du 8 juin 2020, je ne sais pas si vous avez l'information là. Oui. Oui, c'est une information qui circule. Quant à une reprise des cours, notamment pour les classes d'examen le 8 juin. Mm. Mais ce n'est pas encore une information officielle. Officielle, voilà. Ce n'est pas encore une information officielle. Mais je sais qu'au niveau du ministère de l'enseignement secondaire et technique, je crois, il y a quand même un travail préparatoire qui est en train d'être fait au niveau des chefs d'établissement. Voilà. Pour une éventuelle reprise. Et je pense que les enseignants, enfin les chefs d'établissement, ont été convoqués cette semaine. Le 2 dernier. Le 2 ou le 3 oui. Pour des séances de travail. Et donc, à l'issue de ça, on saura exactement si ça va se faire le 8 juin. Encore demain, samedi, le dimanche. Encore demain, samedi, dimanche. Oui. Mais ce qui est sûr, une reprise des cours est imminente. Est imminente, oui. Très imminente. Il faut dire avec beaucoup plus de précision que sur cette antenne Info 1 du groupe de Télé New World, j'ai eu à recevoir, c'était le samedi dernier dans l'émission Le Monde, on sait, l'un de la cellule de coordination de CZ, Acha. Mmh. Acha qui a souligné qu'il était en une réunion avec le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, de la fonction publique. Et selon les informations, c'est qu'il y a une date, indicative, qui est bien sûr le 8 juin. Mm-hmm. Maintenant, il faut définir les contours de cette rentrée-là. Il faut mettre en place les dispositifs de lave-main, le port des masques, il faut tout préparer.
et donner d'abord la chance aux élèves qui sont bien sûr en classe des AMEM de commencer en attendant. Et les nombres varient entre 20 et entre 15 et 20 élèves par classe, surtout pour les élèves qui sont en classe des AMEM, c'est-à-dire CEPD, ceux qui vont à l'examen du CEPD, ceux qui vont au BEPC, au bac 1 et au bac D. Mais maintenant, pour la rentrée effective sur le 8, attendons de voir, peut-être demain samedi ou le dimanche, on aura beaucoup plus de précisions par rapport à ça. Sinon, c'était une date indicative. On va prendre la deuxième question de cette émission. Bonsoir, docteur. Y a-t-il possibilité de recontamination après être guéri du Covid, téléspectateur depuis Cara? Je préfère qu'on mette les noms. Hein. Téléspectateur depuis Cara, ce n'est pas vraiment spécifique. Merci aussi pour la question. Oui, y a-t-il possibilité de recontamination? Oui. Parce que des articles, mais des papiers ont été publiés sur des cas de recontamination. On a eu des papiers qui ont été publiés en Chine sur des cas de recontamination. Et effectivement, chez nous aussi, on a eu des cas de recontamination. Donc, des recontaminations possibles. En fait, le problème, c'est que l'immunité que confère cette infection n'est pas encore bien documentée. Et donc, on a eu des cas de recontamination. Mais des recherches sont en cours pour un peu comprendre un peu cette infection. Parce qu'on n'a pas encore fini d'apprendre sur cette... Il y a beaucoup de zones d'ombre, de non-dits, de zones d'ombre qui sont encore à élucider. Ce qui veut dire que celui-là qui était malade de coronavirus a intérêt à continuer toujours par observer les gestes barrières après sa guérison. Bien sûr, ça veut dire que celui qui guérit, qui est déclaré guéri après une contamination, doit toujours respecter ses gestes, les gestes barrières. Parce que jusque-là, ce n'est pas encore une maladie immunisante. Mm-hmm. Une maladie immunisante, c'est une maladie pour laquelle, lorsqu'on sort de cette maladie, l'organisme développe des anticorps. Et si, par exemple, il existe des vaccins, un vaccin contre cette maladie, la personne qui fait la maladie et qui sort guérie n'a plus besoin de ce vaccin parce que l'organisme a produit des anticorps qui vont perdurer définitivement et le protéger contre cette maladie. Mais dans le cas de Covid-19, ce n'est pas le cas. Il y a ces anticorps, mais c'est la durée de ces anticorps, la pérennité de ces anticorps qui pose problème. Et donc, on ne connaît pas encore vraiment la durée de ces anticorps. Et des recontaminations possibles, parce que s'il y a recontamination, c'est qu'il n'y a plus de protection. Donc, pour le moment, c'est sur cette piste-là que nous sommes, parce qu'on n'a pas encore une idée claire sur l'immunité. Et on sait quand même qu'il y a des recontaminations. Et pour ceux qui guérissent, il faut toujours respecter les mesures barrières parce qu'il est possible de se recontaminer. La preuve, nous avons eu des cas de recontamination dans notre pratique ici à Lomé, sur le site de CHL Lomé Commune. Parfait. Voilà un peu clair la réponse à cette question. On poursuit avec la série des questions en réponse. Bonsoir, salut. Le Togo peut sortir de cette situation. Quelle solution le Togo a-t-il pris pour les écoles? Est-ce que le Togo peut s'en sortir tête haute de cette maladie à coronavirus? Alors, oui. C'est pas seulement le Togo. Nous sommes à une pandémie. Donc, cette question est posée à toutes les nations, mais tous les pays qui sont... À toute la planète Terre. À toute la planète. Oui, très bien, à toute la planète. Donc, la solution de cette situation, on ne sait pas encore. Alors, quand on parle de sortie, c'est à quand? Jusqu'à quand on ne va plus entendre parler de coronavirus? C'est ça, en fait, la question. Pour le moment, on ne peut pas répondre à cette question. Mais là, ce qu'on souhaite, c'est que de plus en plus, de jour en jour, il faut qu'on aille en mode en décrescendo. C'est-à-dire que il faut que les cas décroissent de jour en jour, plutôt que de croître. Plus les croix décroissent, plus on a la chance que le virus disparaisse de la communauté. Mais s'il y a une augmentation des cas, ça veut dire qu'il y a une source de contamination, il y a une chaîne de transmission, c'est ça même le thème, une chaîne de transmission qui est entretenue. Et c'est ça. Et pour pouvoir briser cette chaîne de transmission, c'est jusqu'à preuve de compter, ce sont les mesures barrières ou bien les méthodes préventives. Parfait. Non, je crois qu'il y a une question sur les écoles. Un deuxième volet de cette question concernant bien sûr les écoles. Oui. Qu'en est-il? La reprise, on a eu à le souligner un instant. Oui, concernant les écoles, on a parlé tout à l'heure que d'une reprise imminente, mais avant cette reprise, il faut mettre des garde-fous. Oui.
Et comme j'ai dit, les chefs d'établissement sont en travail pour pouvoir définir certaines mesures afin de pouvoir permettre la reprise. Et l'une des mesures que l'État se donne de faire, c'est disposer dans les établissements des dispositifs de lavage de mains. Oui. Et puis, surtout également, disposer des masques pour les élèves. Parce que là, dans cette situation, il faut que l'État disponibilise ses masques pour les élèves. Parce que si on laisse ça, la question des masques à la charge des élèves ou bien des parents, des gens peuvent se retrouver sans masque parce qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter les masques. Et là, on ne peut pas les condamner. Donc, il faut que l'État mette ces moyens-là pour au moins commencer. Maintenant, l'une des mesures dans la prévention, on a parlé de la distanciation sociale. Quand on voit un peu la pléthore des effectifs dans les classes, surtout dans les écoles publiques, on se pose la question sur le respect de ces mesures-là. Alors, une des solutions qu'on peut apporter, c'est que pour les classes qui sont vraiment pléthoriques, il faut les éclater. Et là encore, lorsqu'on éclate les classes, il faut pouvoir, il faut avoir les enseignants pour encadrer toutes ces classes-là. Donc, c'est aussi un problème. Est-ce que ça peut se faire dans ce contexte-là? Je ne sais pas trop. Mais je ne sais pas comment ça se passe avec le groupe de travail, avec le ministère. Je pense qu'ils y pensent. Parce que d'après les informations, on nous parle de 15 à 20 élèves par classe. Donc, ça veut dire que déjà, cette piste-là est en train d'être explorée. Oui. Est-ce que les autres élèves... Est-ce qu'ils seront encadrés pendant, ou bien ce serait un roulement, je ne sais pas. Parce que si on éclate une classe de 60 à 100 élèves, il faut que les enseignants occupent ces élèves-là. Est-ce que ça va être 15 élèves par jour ou bien par semaine, je ne sais pas trop. Donc je pense qu'il faut des pistes, des solutions sont en train d'être trouvées. La priorité est donnée aux classes d'examen. Ils vont peut-être vite trouver des solutions devant juguler cette situation de crise sanitaire. On évolue bien sûr avec la question suivante. Bonsoir. Selon le coordinateur national de lutte contre la COVID-19, il faut vivre avec la maladie. J'aimerais savoir au cas où cette décision devenait effective, l'État est prêt à prendre en charge un nombre important de cas détectés. Merci. Joseph Zipi a signé la question. Alors, ça, c'est une très belle question. Est-ce que lorsque nous allons... Enfin, au moment où on s'apprête, ou bien on se prépare à vivre avec, est-ce que l'État est prêt à assurer les charges? Les charges, hein. Oui, c'est ça, en fait. Puisqu'on sait que, jusqu'à preuve de contraire, la prise en charge est gratuite. Est gratuite pour le patient qui est infecté. Est-ce que ça va être ainsi? Point d'interrogation. Ça dépendra des moyens que l'État a. Mais je pense que si on doit vivre avec le malade ou bien le patient doit également avoir sa participation. Je pense. L'État ne peut pas tout faire. C'est là ma réponse. Parfait. Ouais. Ce qui veut dire qu'apprendre à vivre avec la maladie, il faut essayer de prendre des précautions. Hein. Si jamais on chope la maladie avec le temps, on est appelé aussi à assumer notre responsabilité vis-à-vis un des premiers dirigeants qui s'occupe bien sûr de cette éripose, bien sûr du traitement de tous aux citoyens en situation de danger. La suite de la question, d'une nouvelle question, bonsoir, s'il vous plaît, parlons des mesures barrières. On a vu les forces anti-pandémie interpeller les taximans qui ne respectent pas la distanciation sociale. Or, au même moment, on voit ces forces entassées dans leur jeep ou bien souvent rassemblées. J'aimerais savoir si ces corabiers sont supérieurs à la loi ou ne peuvent pas être attaqués par le virus. C'est un constat, hein? Je pense que le constat
C'est quand même plus ou moins fondé parce qu'on les voit très souvent, ceux qui s'occupent bien sûr de cette force-là, qui s'occupe bien sûr de cette maladie-là. On les voit un peu en nombre dans les pick-up, voitures pick-up, en nombre 3 ici, 3 de l'autre côté, ça fait 6. On se dit, mais bon, quand même avec les masques, mais on n'est jamais sûr. Hein. Est-ce qu'ils ne peuvent pas choper la maladie? Oui, c'est vrai. Avec les masques, on n'est jamais sûr. Le risque n'est pas nul. Mais dans cette histoire de distanciation sociale, en fait, donc, oui, quand on voit les forces de l'ordre dans leur jeep, c'est pour aller à une destination donnée. Oui. C'est pas sur 24 heures, mais c'est non, pas non, sur une période. Ça aussi, donc, faut ça, ça peut se tolérer. Oui. Ça c'est mon avis. Ça peut se tolérer. Et puis même dans la pratique de tous les jours, c'est pas à tout moment qu'on peut respecter. Enfin, qu'on peut respecter cette distanciation sociale. Parce que c'est sûr, d'ailleurs, qu'on a bien respecté. C'est difficile, tout, c'est difficile dans certaines situations. Ce qui est important ici, c'est vraiment le port des masques. C'est vraiment le Laver port des masques. Mains. Et puis éviter surtout d'être vraiment rapproché vraiment de façon sur une longue durée. C'est ça. Si on a les masques et que on est proche pour faire un truc ponctuel. Je pense que le problème ne se pose pas parce que dans la faisabilité, c'est vraiment difficile de respecter ces mesures-là. Alors, les forces de l'ordre qui sont dans leur jeep, qui vont sur leur poste, qui vont à leur poste, ça va prendre quelques minutes, quelques heures. Et puis après, chacun peut respecter ses mesures de distanciation sociale. Mais là, on peut pas affecter. Il faut aussi avoir les moyens pour ça. Si on doit déployer une cinquantaine de forces de l'ordre dans la circulation pour leur travail, donc il faut. Et respecter cette mesure, il faut qu'on ait suffisamment de jeep pour que dans... Ce n'est pas seulement au Togo, hein, le constat... Oui, c'est ce que dit... Partout, il faut pas dire que c'est au Togo. Oui, ce n'est pas au Togo seulement. Donc, c'est vraiment difficile de... Ce qu'on évite, c'est qu'il faut que les gens soient confinés quelque part pendant une longue période. C'est ça qui n'est pas, en fait, bien. Et surtout si ces personnes n'ont pas de masque. Maintenant, si on a le masque... Ça réduit de façon drastique le risque, les risques de contamination, qui n'est pas nul, mais ça réduit les risques de contamination. Donc, le port de masque, vraiment, est très important. Parfait. Il faut dire que c'est clair par rapport à cette question-là. On a besoin aussi de ces forces de l'ordre et de sécurité qui essaient de mettre de l'ordre un peu dans le désordre qui règne à certains moments. On a vu aussi dans certaines vidéos, même cette affaire qui fait grand débat concernant la mort de cet Américain, George Floyd, on constate 3-4 personnes sur la personne à terre. Sans masque, on se dit, mais est-ce qu'ils pensent vraiment à leur vie d'abord, avant de penser maîtriser l'autre qui est à terre? Ce qui veut dire que c'est pas seulement dans nos pays en voie de développement. La suite, en question-réponse toujours. Et celle-ci nous dit, ce qui suit, l'État veut rouvrir les écoles lundi, mais jusqu'alors, ni bavette, ni gel, ni dispositif de lavage qui va s'en occuper. Enfin... Oui, je crois qu'on a déjà parlé de ce sujet-là. Plusieurs fois. C'est un travail qui est en train d'être fait. Parce que l'État ne peut pas laisser cette mesure-là à la charge des élèves ou bien des établissements. Oui. Et là, il faut forcément que l'État s'implique. Et au moins, rendre possible le lavage des mains dans les écoles et puis que chaque élève dispose de masques. Ça, je crois que le travail est fait dans ce sens-là. Au moins pour avoir ces deux éléments avant de commencer... les cours, de reprendre les cours. Et puis les patrons d'établissement aussi, ils sont appelés aussi à mettre la main dans la pâte. Hein. Oui, pas bien sûr. Regarder comme ça, l'État doit tout faire. Non, les établissements privés, c'est le moment également de veiller à ces mesures-là. Oui, je ne sais pas si dans ce comité, enfin ce groupe de travail qui est actuellement avec les ministères, là, est-ce que il y a l'enseignement professionnel également. Oui, l'enseignement professionnel et l'enseignement secondaire. Ils sont tous je ne sais pas si ce que l'État envisage de faire, c'est à l'endroit seulement des écoles publiques ou bien c'est les écoles publiques et privées. Je pense que ça doit être pour toutes les écoles. Pour toutes les écoles. Oui. Effectivement.
Merci bien. On poursuit bien sûr avec une nouvelle question. Où en sommes-nous quant aux mesures barrières liées au transport interpréfecture et interrégion? Les déplacements sont-ils interdits ou c'est le nombre de passagers qui est réduit? S'il vous plaît, réponse précise et réglementaire. Merci. Voilà. Voilà, c'est la première partie de sa question. Oui, je crois que dans les mesures barrières, les déplacements inter-ville ou bien inter-région sont normalement interdits, oui. Sauf cas d'urgence ou bien exceptionnel. Oui. Et ça, c'est ce qui est préconisé, dit. Ce qui est dit. Avant de sortir, même si c'était même une urgence, il faut avoir l'autorisation. Il faut avoir une autorisation. Voilà. Oui. On poursuit avec les questions-réponses. La deuxième partie de cette question, on reste toujours avec l'autre. Voilà. Dans les bilans quotidiens de la situation COVID-19, que signifie le nombre de tests effectués? Est-ce à dire que c'est le nombre de personnes testées ou le nombre de tests utilisés puisqu'on effectue au moins 2 tests par personne? Oui, le nombre de tests effectués, c'est le nombre de tests qu'on a effectués. Donc, dans ce nombre de tests, il y a un patient peut avoir subi 2 ou 3 tests. C'est l'ensemble là qu'on a donné qui est de 21 000 et quelques. Voilà. Oui. Merci bien. Puisque lorsque vous êtes un cas confirmé, pour vous déclarer guéri, il y a un certain nombre de tests. Et il faut avoir 2 tests négatifs successivement pour être déclaré guéri. Alors que pour avoir ces 2 tests-là, ça dépend, c'est patient, personne dépendante. Quelqu'un peut mettre une semaine pour avoir les 2 tests négatifs, alors que l'autre va mettre peut-être 2 semaines, voire plus. C'est-à-dire qu'entre 2 tests négatifs-là, avant d'avoir les 2 tests négatifs, il a eu plusieurs tests qui sont toujours restés positifs. Positif. Donc cette personne peut avoir eu plusieurs tests. C'est délicat, 5 tests. Hein. Il y a eu des patients qui ont eu jusqu'à 8 tests avant d'être déclarés guéris. Tout comme il y a d'autres qui ont eu 2 tests ou bien un seul test. Bon, un seul test, c'est chez qui le test est revenu négatif. Tout ça est comptabilisé. Enfin, toutes les fois qu'on a fait les tests chez les patients, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est ça qui fait les 21 000 qu'on nous a présentés aujourd'hui. Parfait. Parfait. Je pense que c'est clair pour M. Bala qui nous a écrit pour mieux comprendre ce que c'est, bien sûr, test effectué. On prend encore quelques questions pour, bien sûr, terminer cette émission dans un instant à l'autre. Bonsoir, docteur. Après guérison des patients, quelle durée le guéri doit faire avant de rentrer en famille? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un risque que la maladie soit masquée ou une fois en famille, le mal se déclenche? Bito Joël depuis Cara. Quand le patient est guéri, c'est qu'il est guéri. Et pour déclarer un patient guéri, c'est qu'il a eu 2 tests négatifs successivement. Et en ce moment, il est déclaré guéri. Voilà. Mais dans l'autre partie de la question, est-ce qu'il n'y a pas peut-être souci de retour en famille, que la maladie soit déclenchée ou bien la personne... Enfin, la maladie revient, quand on est guéri, c'est guéri. Hein. Oui, quand on est guéri, on est guéri. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu une possibilité d'être contaminé. Voilà. Donc, la personne qui est déclarée guérie, qui rentre à la maison et qui revient encore, ou bien qui présente encore des signes, et qui s'avère que le test revient encore confirmé, c'est qu'il a été recontaminé. C'est pourquoi on dit la personne qui est guérie, qui rentre, ne doit pas baisser ou bien relâcher. Hein, dans le respect des mesures barrières, oui. Ça doit toujours continuer. Voilà. Oui. Donc, quand on est guéri, on doit toujours continuer par respecter les gestes barrières qui demeurent toujours les seuls remèdes pour le moment. Oui. Voilà. Encore quelques questions. Celle-ci nous dit, bonsoir messieurs, s'il vous plaît, les réseaux sociaux disent que les pays touchés par COVID-19 ne donnent pas de vraies statistiques sur la maladie. Est-ce vrai?
cette affirmation? Si oui, pourquoi? Oui, ça c'est ce que les gens disent souvent. Les gens pensent que, par exemple, au Togo, qu'on est à plus de 13 décès. Et que la situation qu'on donne tous les jours, que ce n'est pas la vraie situation. Bon, moi je dis que le Togo n'a aucun intérêt à cacher la situation de son pays. Et puis, c'est une pandémie. Donc, c'est un virus qui est venu d'ailleurs et qui nous a touchés. Donc, ce n'est pas la faute de quelqu'un, en fait. Ou bien, ce n'est pas une autorité qui a amené ce virus dans ce pays pour contaminer les gens. Et donc, je ne vois pas pourquoi on cacherait les chiffres. Donc, ce qui est publié aujourd'hui, c'est ce que le laboratoire sort comme résultat. Il se pourrait que dans la communauté, il y a des gens qui sont contaminés, mais qui ne sont pas venus à nous. On ne peut pas savoir. Mais sur les tests qui ont été pratiqués, voilà la situation. Et c'est la vraie situation que nous donnons. Oui. Donc, il n'y a pas de quoi dire. On a masqué les chiffres. On prend encore une question dans cette émission pour clôturer. Bonsoir, docteur. Quelles sont les différentes durées de vie sur les différentes surfaces? Et bonsoir, docteur. J'aimerais savoir, pour le lavage des mains, doit-on utiliser obligatoirement l'eau de Javel? Enfin, on va prendre la première partie, hein, le premier volet de cette question, c'est-à-dire les durées concernant les surfaces quand on parle de COVID-19. Oui, la durée, cette question a trait à la survie, la survie du virus dans le milieu extérieur. Et cette durée va de 3 heures à 24 heures ou bien plus de 24 heures. Alors, quand on prend les surfaces inertes, oui, notamment tout ce qui est métal, le virus peut survivre jusqu'à 3 heures dans certaines conditions, ou bien 6 heures dans certaines conditions. Et puis, quand on prend par exemple le carton, le virus peut aller jusqu'à plus de 24 heures. Donc, la durée de survie du virus est entre 3 heures à 24 heures ou bien plus de 24 heures en moyenne. Voilà un peu. La deuxième partie de sa question, le lavage des mains, est-ce qu'il faut forcément du Javel? Non. Le lavage des mains, pas forcément du Javel. Le lavage des mains qui est préconisé actuellement, c'est avec de l'eau et du savon. Et du savon, pas de Javel, hein. Si avec l'eau et le savon, c'est largement suffisant. Hein, pour éliminer tout ce qu'il y a comme souillure, mais salissure sur nos mains. Parfait. Docteur, on est pratiquement à la fin de l'émission de ce jour. Peut-être qu'on va apprendre encore quelques mots sur la situation. Enfin, comme conseil avant de se séparer. Oui, comme conseil, on va encourager la population à adopter les mesures barrières. Et surtout où nous sommes dans une dynamique de vivre avec ce virus. Et ça veut dire que vivre avec, ce n'est pas relâcher les mesures préventives. Et je dis encore que c'est plus, ces mesures préventives-là sont vraiment respectées, sont vraiment efficaces ou bien respectées, que le nombre de contaminations va diminuer. Plus le nombre de contaminations diminue, plus le virus va lui-même disparaître de notre communauté. C'est parce qu'il y a une chaîne de transmission qui est entretenue que le virus est encore là. Alors, si à partir d'une personne qui est infectée, qui prend toutes les mesures, ou bien tout le monde prend ses mesures pour ne pas attraper la personne guérit de son infection, et puis il n'a plus de virus pour disséminer à son entourage. Donc, pour ne pas disséminer le virus, c'est respecter les mesures barrières. Donc, on encourage la population au respect de ces mesures que nous allons rappeler. Le lavage régulier des mains, le port des masques, tousser dans le creux du coude pour ceux qui n'ont pas de masque et surtout respecter tant que possible la distanciation sociale. Et cette distanciation sociale, elle est surtout importante
lorsqu'on est dans un cadre ou bien dans un lieu où on a beaucoup de personnes avec qui on doit frotter, on doit collaborer. Et au minimum, dans cette situation également, il faut que le masque soit vraiment obligatoire. Donc, j'ai aux autres, toute la population, à redoubler d'efforts, surtout dans ces mesures préventives-là. Parce que c'est à partir de ces mesures-là que le nombre de cas va diminuer dans notre pays. Merci beaucoup à vous, docteur Lidaou Alain Baoué. Je rappelle bien sûr que vous êtes médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio à Lomé, au Togo. Messieurs, merci pour votre fidélité légendaire à ce programme tous les soirs sur votre antenne. Personne qui souhaiterait bien sûr avoir d'amples explications, vous laissez vos questions sur notre plateforme et nous ferons le plaisir bien sûr de les relayer auprès des spécialistes toute la semaine pour avoir d'amples explications. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission toute cette semaine et à la coordination générale Sylvain Adjigli. Merci et à très vite.